Là, YouTube, on va lancer, salut à tous, on va lancer cette nouvelle rediffusion. On est parti pour continuer. Donc, après avoir terminé le scénario principal de Jurassic Park, donc en 93, donc retour à Jurassic Park, on va continuer, on va accomplir les outils que je souhaite faire. Donc, on n'y est pas encore. Hein, donc, le but, ça serait d'avoir 18 espèces différentes dans le parc. Bon, on en a déjà certaines qui sont en liberté. Mais on va attendre que ceux-là commencent à mourir petit à petit. Comme ça, on va les remplacer par des dinosaures qui seront plus de qualité, on va dire. Et là, on est en train d'essayer de faire des dilophosaures. Donc, on va faire une meute de dilophosaures ici. Ils seront une douzaine. Là, je vois, j'essaie de commencer d'autres génomes de dinosaures. Et il faut aussi qu'on complète. Ben, bien sûr, il y aura les raptors. Donc, il va nous falloir tôt ou tard. Mais en attendant, on a un autre gros défi qu'on va aller chercher. Donc je vais regarder un petit peu. Raptor, Vélociraptor et Vélociraptor et Gallimimus. Il y a même un Chisaurus ici. Donc Corito, Corito. On vend ça, on vend l'argent. Bon. Avec les moyens financiers qu'on a, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on va essayer aussi d'accomplir des objectifs pour les différentes divisions. Donc on va faire celle de... On va essayer de compléter celle d'Alan encore. Les dinosaures vivants sont non, j'ai pas accès encore au Mitriacanthosaur. Faut que je te rappelle, je dois le débloquer d'abord, Alan. Alors attends, admettons, je vais peut-être tenter un truc pour avoir les 5 étoiles. Bon, je vais perdre un peu d'argent au fur et à mesure, mais avec ce que je gagne avec les dinos, je pense que ça peut le faire. J'essaie de jouer sur la qualité prix de mes revues des trucs. 480 4$ 4$, c'est pas mal ici. Voilà, toujours pas le nom du dino. Non, je crois que Mitrandir ne l'a pas, à moins qu'il s'en souvienne pas, ce qui peut arriver hein. Mais là pour le moment on laisse Mitrandir un peu dans le flou. Et si Mitrandir a une idée au cas où, il peut la dire dans le chat. Je pourrais lui affirmer ou l'infirmer. Eh, c'est vrai qu'il nous manque un loup-bou. Eh ben justement. J'ai une idée. Le Louboutosaurus. Donc c'est pas la marque Louboutin, hein. Attention, je vois venir les blagueurs ici. Donc là c'est Apatosaurus, hein. Il a de la gueule comme ça. Ça y est, hop, on va aller lâcher des dilos supplémentaires. Bon, et je vais repérer retraite blagueur. Alors on va en rajouter un. On continue les thunes. Leucocéphalus, Corito, Corito, Corito. Ok, c'est pas mal. La cible a bien été transportée. Attends, quoi? Qu'est-ce qui a été transporté? Attends. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Donc là, il nous reste quoi encore à liberté? On a 5 brachiosaures. Ouais. On a un Gallimimus, le Parazo qui s'est isolé tout seul. Bon. Donc il faudrait qu'il soit au moins 4 dans le tout. Si J-Rex qui fait sa star, dinosaure le plus mieux noté de tout le parc. Ah mon petit CG, hein, tu fais ton king. Attends.
Ah. C'est le King, mesdames et messieurs. Je vous présente le CGRX, le seul et l'unique. Une note de modeste note de 623. Donc ça c'est facile. Par contre je vais retenter la photo là. Je pense qu'avec avec les Dryosaurus, les Apatosaures et les... Je ne remettrai les pieds dans son terrarium préhistorique qu'à une seule condition. Que personne d'autre ne meure à cause d'une créature qui ne devrait pas être en vie. Ok, pas de problème mon cher Yann. Donc là, la photo, peut-être qu'à 30 000 avec tous les apatosaures, quelques dryosaures, on peut se mettre bien. Aïe. J'essaie de me mettre derrière. Ah, 25 000. Non, on n'y arrivera pas, on n'a pas assez là. Il n'y avait que 4. Ok. Bon, c'était pas avec eux, mais bon, au moins ils nous ont servi. Hein. Sans vouloir tomber dans les clichés, je trouve que vous avez atteint votre objectif avec cette photo. Bravo, merci pour la blague, merci, merci. Je pense que le pire blagueur, c'est lui, hein, c'est Finch, dans tout le jeu. Waouh, on peut dire que vous avez l'œil, dites donc. Quelle magnifique photo. Merci, merci, bah, après j'ai fait de mon mieux, hein. On va commencer un peu à développer le Maiasaura en attendant. En attendant 100%, on viendra plus tard sur le Maiasaura. De toute façon, là, la priorité, c'est qu'on va essayer de mettre des dinosaures peu nombreux, bon, des gros carnivores, mais qui font qui ont des bonnes notes, quoi. Donc là, on va compter le nombre d'espèces différentes qu'on a déjà. Alors, on va déjà rajouter ce nouveau dilo. Donc là, on en a 8, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faut qu'on en refasse 4. Mais bon, là l'objectif là va être atteint. Les carnivores, là, pour le moment on est tranquille. Donc ça fait 8. On en rajoute encore 2. Bon, en tout cas, là je suis content de ce gros enclos au centre, là il est plutôt cool. Donc, maintenant c'est là qu'on a le problème, les toilettes et tout le tralala. Admettons, je vais rajouter. Alors, admettons, j'ajoute des toilettes là. Voilà. On a un nouveau décès. Ah, c'est encore un vieux, un ancien dilo. Bon. Voilà, pour ça, il y en aura deux autres. Tu vas l'avoir la réponse ce soir, mais il faudra que tu sois. Tu risques de l'avoir, mais au mythe. Mais il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu trouves. Moi, je ne ferai pas de spoil, mais l'indice que tu as donné maman devrait t'aider. Mais bon, si on a le temps, avec un... Alors, on a encore 45 minutes, je vais essayer de faire en sorte que les deux dinosaures spawnent dans les... avant la fin de cette volée, au plus tard demain.
Là, tu pourrais envoyer un screen à Mitrandir, tu pourrais dire hey, t'as vu Mitrandir, Kaizo il nous a foutu un dino dans son parc, faut le défoncer, faut le taper. Après, Mitrandir, y'a rien qui t'empêche de te renseigner de ton côté. Avec l'indice que moi on t'a donné, tu peux. Et crois-moi, on penserait pas qu'il pouvait être cohabité avec un autre congénère, ce dinosaure. Franchement, de ce qu'il y avait dans le film, tu pouvais te poser la question. Tu ne triches pas, bon, c'est tout à ton honneur. Oups. Hashtag balance ton vampire. Putain, on en a encore des dinos à aller chercher. Oh. Donc là, rien que là, on a 3 espèces. 4, 5, 6, 7. On va en avoir 8 ici. Bon, 9, 10, 11. On a déjà 11 espèces, 12. Avec la volière, mais bon, déjà toutes les espèces qui étaient présentes, donc Brachiosaur, Parasaurolophus, Gallimimus et Matricion, l'a déjà remis, tu me diras. Donc déjà les espèces là seront dans le parc quoi qu'il arrive. Les raptors aussi. Chose avec Ellie Sattler pour avoir l'équipe de fouilles Charlie, mais bon, il faudrait qu'on l'ait. Je voulais simplement vous informer qu'un nouveau contrat est disponible. Ouais, moi aussi, moi je les ai là d'ailleurs. Attendez, les gars, je vous montre. J'ai le coffret avec tous les deux films Jurassic World. Si vous voyez, merde, c'est pas dans le bon sens, ça va aller mieux comme ça. Donc, j'ai les 5 premiers films. Donc là, je suis équipé. Un nouveau décès de quoi? Un tricé, un ancien tricé, ça va. La mangeoire a besoin d'être approvisionnée. Ok, alors attends. Opocéphalus, c'est bon. Et on va continuer un peu le Maillazora, hein, en attendant. J'ai eu les 3 premiers quand j'étais gamin. Bah, moi aussi, vite. Je les ai. Bon, j'avais connu Jurassic Park quand j'étais gamin. Le 2 aussi. Le 3. Et je l'ai vu un peu sur le tard. Je sais qu'il est sorti en 2000 ou 2001, moi je crois que je l'ai découvert en 2004 ou 2005, je sais plus. Et nos pteranodons, là on va les revoir. Alors on va voir le style océanique. Ah, il est beau comme ça. Il fait un peu couleur noir ocre, enfin pas ocre mais noir marbre, je sais pas comment expliquer. Par contre, j'aimerais pas en avoir en face de moi. Eh, hey, t'arrêtes de te dandiner là. T'es à la caméra quand même, hein, je te rappelle. Hein. Ah, c'est Pterodactyl, je vous jure. ...5, 4, 9, 8, 2, 11. Donc il me faudra encore un dilo. 4, bah c'est parti. Hein. Le parc n'a pas atteint sa capacité d'accueil maximale. Nous devons donc obtenir plus de dinosaures. Alors par contre, qu'est-ce qui va pas? C'est la note des boissons. Bon, on va rajouter un peu de variété. Alors, le café de base et la boutique de souvenirs. Là, on va mettre tous les trucs de base.
La sécurité des visiteurs, c'est fait. Pas mal du tout. Et là, on va mettre le plateau de fruits de mer, on va le laisser comme ça. Pas mal. Et on a atteint les 5 étoiles, ça y est. Couleur ébène, ouais, aussi. Je m'attendais à des hurlements et à des rugissements, mais je n'entends que des applaudissements. Ce doit être pour vous. Voilà. Donc le 5 étoiles, bon, j'ai déjà, comme je l'ai déjà fait, bah, je vous montrerai les stats des succès à la fin pour que vous voyez un peu. Ils étaient, je sais pas si beaucoup de gens l'ont fait, mais bon. Allez, Mayazora, Mayazora, Euoplocéphalus, Euoplocéphalus. Normalement, le Euoplocéphalus avec tout ça, c'est complet. Et on va aller chercher un nouveau dinosaure. Peut-être que ça mettra sur la piste certaines personnes. Alors, est-ce que Mitrandir va être vigilant? C'est ça la question. Bon, moi, tu l'as vu là, je pense, l'espèce que je suis allé, la nouvelle espèce que je suis allé chercher. Donc là, ça y est, on est bien remonté, donc avec les trois trucs différents. Voilà. Et là, on va chercher le dernier dilo. C'est bien, Momon, t'as été vigilant. Maintenant, est-ce que Mitrandir l'a été maintenant? De toute façon, il le verra peut-être quand je vais extraire l'ADN. Bon, là, on est pas mal. Les stégos, peut-être que je vais rajouter quelques stégos. Les stégos, je crois que je vais les laisser tout seul. J'en ai combien en tout? 4 et 4. 8, je peux peut-être en rajouter un dernier. Bah tiens, je vais en rajouter un dernier en attendant, comme il peut être jusqu'à 9. Resident Sleeper. Tu l'as vu à l'ermite ou pas? On a encore 19 d'électricité en rab, c'est pas mal. Et pour ceux qui... Et ce dinosaure-là... Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, moi, le dinosaure en question... Donc, il y avait le T-Rex aussi. J'ai découvert ce dinosaure-là dans la première fois. C'était dans un petit jeu. Alors, peut-être que certains, ça vous passe. C'était un jeu, en fait, où on était les Dino Defenders de Jurassic Park. Et on devait réactiver des compteurs de courant tout au long des niveaux. Et on avait plusieurs moyens pour capturer ou repousser des dinosaures. Que ce soit Compso, Raptor, T-Rex, etc., etc. Même les volants. Ça y est, nouvelle espèce en cours, nouveau spécimen. Alors Rex, qu'est-ce que tu nous fais, petit King CG Rex là? Il lui manquerait plus qu'une couronne et ça serait bien quoi. Ils ont pas bougé du plan d'eau, les Triceratops. Ceux-là, non. Mais eux, ils n'ont plus, en général. Et ceux de l'enclos, bah non. Ah, il y en a, vous êtes... Ah bah, tu te bats, Momon, encore. Alors, est-ce que tu vas t'en sortir, cette fois? Ah, ouais, apparemment, t'as gagné. Tu l'as fait paniquer, l'autre. Il a pas aimé. Eh ouais, c'est moi, le patron. Ah, le stego est pas bon. On le réincube. Non, ils sont très dociles, hein, quand même. Mais là, je pense qu'avec le truc que j'ai fait, tu vois, quand hier j'ai fait la stratégie, elle était risquée quand même hein, pour le truc avec les visiteurs, je suis d'accord. Mais j'ai pas eu tant de soucis que ça. En fait, une fois que tu mets une couveuse, de l'eau et de la bouffe,
En général, sauf grande panique suite à X ou Y raison, il se barre pas. Et là, c'est, et hier, c'était le cas. Donc là, la vie trouve son chemin. Là, on pourrait mettre en titre. Donc là, au cas où, pour la VOD, si vous voulez les revoir, les gars, ce sera sur la playlist. Ça sera la suite, dans la suite de la playlist de Jurassic World Evolution. Comme c'est lié au jeu. Punaise, par contre, moi qui avais cru avoir terminé campagne et job, je devrais encore en rajouter des vidéos. Et lui, il est encore en vie, ce Parazo. Il a quel âge? 52. Bah, tu sais quoi? Alors, on va faire un truc. J'ai un plan. On va se débarrasser d'une espèce, entre guillemets, mais... Au moins, elle nous foutra la paix. Parce qu'elle est assez exigeante. Les Parazo, quand il y en a un ou deux, ça va. Bon, il arrive quand, Dilophosaur? Il arrive bientôt. Et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Bah, ils sont jaloux. C'est... Et non, c'est pas un Dilophosaur, mitant dire. C'est pas ça du tout. T'es loin du compte. Tu te vois avec une crête sur la gueule, comme avec Thanos? Faut voir plus grand, enfin. Regarde, en plus, ils sont 12 sur 12. Après, vous pourrez faire une parade avec vos collègues là aussi, les mecs, vous me direz. Pour le dîner, j'ai la serviette. Bah tiens, on va rendre hommage à Gotti, là. Pour ceux qui le connaissent. Ça serait trop facile, hein, Mitron, dire si je t'avais dit que c'était un Dilophosaur. Faut voir plus grand. Beaucoup plus grand. Un super prédateur. Faut 10 ans. Là, je suis pas retourné. Et là, par contre, pour cette nouvelle espèce, il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'eau. Et cette espèce est une des rares espèces à pouvoir manger à la fois de la viande et du poisson. Pour ceux que ça intéresse. Qui suis-je ? Et de temps en temps, on va être sympa, on va lui mettre une chèvre. Je crois qu'il faut plus d'eau que ça, lui, au dinosaure, je sais plus, attends. Là, Mitrandir, je suis en train de préparer ton enclos pour toi et Thanos, hein. Et vous êtes des sacrés clients. Bon, j'espère que ça suffira comme ça en eau. C'était pour mes vacances en camping car au sud, PACA entre Antibes et Montauk. Oh! Ah bah si tu l'as en plus, bah. Bon bah c'est bon, hein. Bon, mais te rendre, est-ce que tu vas patienter encore environ une demi-heure? Voire peut-être moins. Vite. Bon allez, ça va aller. On va y arriver petit à petit. Alors ça c'est good. Empêche, là il va y avoir deux super espèces de gros prédateurs l'une à côté de l'autre. Bon, heureusement qu'il y a la clôture pour vous les séparer parce que ça pourrait être un beau bordel.
Bon, Parazo, désolé, c'est rien de personnel, c'est juste que il faut qu'on avance. Alors le dernier stego est prêt, on va le faire livrer ici. Avec ses congénères, ce sera le 9e. Ces résultats peuvent améliorer la vie des dinosaures et notre quotidien. Ah, on débloque le mitriacanthosaure, génial. C'est un autre prédateur qui est disponible avec l'un des DLC. Nul ne doit fermer les yeux sur les échecs du passé. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que Jurassic Park progresse. Et là, on va continuer d'étendre. On va faire une nouvelle section d'herbivores. Un monde sauve Mitrandir. C'est ça. À la recherche du dino disparu. C'est bon, il a trouvé. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire son nom si tu l'as trouvé? Si tu veux, sinon. Bah, je l'ai vu il y a quelques instants. Bon, ok, c'est cool. Donc, je suis. Bon, ça me va. Ouais, c'est lui. Bien joué. T'as mis du temps quand même. Hein. Je veux pas dire, monsieur, mais vous avez été un peu long. Ah, notre dino mort, c'est quoi? C'est un autre tricé, ok. Ouais, l'orthographe, elle n'est pas évidente. Donc, de tête, c'est S-P-I-N-O-S-A-U-R-E. Et là, de toute façon, on va bientôt avoir la... Thanos aurait trouvé tout de suite. Ah, c'est sûr. Le connaissant Thanos, ouais, il aurait dégainé. En plus, j'essaie de mettre sur la piste. Après, bon, ça fait comme tu disais que ça fait un moment que tu n'avais pas vu les films, je peux comprendre. Un super prédateur. Deux super prédateurs l'un à côté de l'autre. Tu vois, ça aurait pu, mais bon, après je comprends, t'inquiète. Et moi avons déjà tellement de pain sur la planche. Si vous avez un temps soit peu d'esprit d'équipe, vous vous occuperez de ces contrats. Donc là, on nous demande vitesse de recherche. Merci. Ce contrat nous rappelle le but de notre présence ici. Faire progresser la science, développer notre connaissance des dinos et surtout, nous assurer que le tout soit rentable. Et je veux pas dire, mais pour le moment on a toujours à 5 étoiles. Hein. Par contre là il va nous faire une nouvelle porte. Faut que je réfléchisse parce que là effectivement là j'ai des accès au centre, mais là vu que c'est des herbivores, je vais peut-être mettre une porte intermédiaire ici. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc là ce sera des herbivores ici, hein, le moment venu. Parfait. Et cette fois ça y est, on va travailler les spinosaures de Monsieur Thanos et Monsieur. Enfin Monsieur Mitrandir et Monsieur Thanos. Le 3 date de 2001, ouais, 10, 20 ans déjà. Je vais lui mettre le titre Palus parce que le spinosaure est un dinosaure qui peut aussi bien aller dans l'eau que dans le... Comment ça s'appelle? Ah, ça arrive, hein. Le 2 date de 95 ou 96, je sais plus. Bon, là on va essayer de maximiser votre espérance de vie, les gars. J'ai eu un 121 passé. Dominant comme la communauté de l'anneau, absolument. Ouais, on prend un coup de vieux là, c'est clair.
Allez, 197, 450. On va tenter. Si J-Rex l'a fait, Thanos et Mitrandir, vous pouvez le faire aussi. 452 notes, c'est plutôt pas dégueulasse. Allez. Vous allez me coûter à tous les deux la bagatelle de 10 millions de dollars. Bon, là, c'est bon. On vend tout. Tout le surplus. Et là, on va aller chercher une nouvelle espèce. Alors, enfin, une espèce qu'on a déjà un peu développée. Le Mayazora. Et là, je crois que c'est bon. Déjà, en Amérique, tout est bon. Ça, c'est cool. On va aller chercher... Est-ce qu'on va chercher un nouveau carnivore? Non, on va chercher le Mamanchisaurus. Ah. Oui, bah vous êtes des dinos de luxe, hein, faut pas se le cacher, les gars. Hein. Ah, les dinos ont des problèmes, par contre. Ah, effectivement, ils sont malades. Par contre, là, vous deux, vous allez faire 900 points, quoi. À l'époque, on avait du chaussine en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport, je trouve qu'on a encore beaucoup, on a plus de choix aujourd'hui qu'avant. Hein. Enfin, après, je veux pas, sauf erreur de ma part, mais bon. Je trouve qu'on avait beaucoup, on a plus de choix maintenant qu'avant, mais on avait déjà pas mal à ces époques-là aussi. Bah, en parlant de dinosaures, est-ce que vous avez déjà vu le dessin animé de dinosaures de Disney ou pas? Avec l'iguanodon Aladar, pour ceux qui se rappellent, peut-être. Non, pas vu. Bah, moi, je l'ai bien. Il a pas. Il a été un peu en pas en vue. Donc, au moment, tu l'as vu, toi. Et il fait partie. Alors, certains de ces Disney-là, de cette période-là, fin des années 90, début 2000, ils sont trois à avoir eu ce. T'as le jouet. Moi, j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo à un moment, je me rappelle. Et il y avait trois Disney qui ont eu ce problème-là, qui sont pas été si populaires que ça. Alors, pour les avoir vus, je trouvais qu'ils étaient intéressants et qu'ils avaient un potentiel de suite. Il y avait donc le dinosaure, donc dinosaure dont on parle. Comment il s'appelle? La planète au trésor. Pour ceux qui se rappellent, avec Jim Hawkins. Et le dernier. Il y a eu une suite. Bon. C'était quand même. Ça a été correct, mais ça, je m'attendais à plus. C'est Atlantide, l'Empire perdu. Pour ceux qui auraient vu l'un de ces trois-là. Le Mamanchisaurus, Mayazora. Oui, la planète au trésor, c'est ça. Il y a un jeu PC en plus dessus qui se passe des années après le film, qui s'appelle La Bataille de Procyon. Je l'avais joué, je l'avais adoré. Alors, à moins que c'est un autre jeu, tu dois me parler, Moman. Si c'est la planète au trésor, Bataille de Procyon, ou c'est lié au film directement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, faut y retourner. Hein. Et une mangeoire qui est quasi vide, c'est où? C'est là. Ah, tu l'as vu aussi? Les animaux meurent de faim. C'est inadmissible. Bah, faudrait craquer s'il les bouffe. Ça, c'est faisable. Se passerait peut-être mieux si nous misions sur la connaissance plutôt que sur l'ambition. Non, c'est celui que tu dis. Une chance de me prouver que j'ai tort. Donc la planète au trésor, la bataille de Procyon. Je crois qu'il est sur Steam, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Faudrait que je regarde, tiens. Bon, pour le moment, les deux Spinous, ils sont bien partis. Pour le moment. Mais c'était le début de Pixar aussi. Ouais, c'était l'époque du début. Après, je sais plus. Monstres et compagnie, il a été fait par Pixar aussi. Lui, il a bien fonctionné, je trouve. Et comment il s'appelle? Merde.
Les Indestructibles, c'est du Pixar aussi, je crois. Ils avaient bien tourné, je crois que c'était à ce moment-là à peu près. Mille une patte, oui, aussi, oui, je me souviens. Je me souviens encore de du trailer avec la coccinelle grincheuse, là, avec la voix grave. Alors, Rex. Qu'est-ce qu'il nous fait, Rex? Ça va, Rex, à gaz? Bon, on a des petits soucis, mais ça se règle petit à petit. Hein. En vrai, t'as tellement moyen de faire le tour du parc avec tout ça. Tu ramènes juste un petit peu l'espace ici pour l'enclos des raptors et c'est bon, quoi. Bon, ils en sont où, les spinons? Eh, vous êtes à 85%, les mecs. Là, on va voir nos super prédateurs. Prédateurs. Il y en a encore des malades, mais sérieusement. Non, mais occupe-toi de ça en priorité. Sois pas débile. Voilà, parfait. Menace d'un dinosaure. Ah. Ah, mais Rex est haut. Et tu pourrais sourire un peu au lieu de faire la gueule. En plus, on te met un compagnon et tu râles. Attends. Là, faut le calmer, lui. Hein. Ça y est, les spinos débarquent. Si vous voulez voir du challenge, vous allez en avoir. Bon, lui, au pire, on le laisse mourir petit à petit. Il a encore combien de temps de vie, lui? Oh, il est quand même à peine. Il a dépassé la moitié à peine. Oh. Allez, les spinopalustres arrivent. Mesdames et messieurs, le duo de choc, les infatigables Mitrandir et Thanos. Cible à destination. Livraison effectuée. Bon, le premier qui a posé le sol, c'est toi. Est-ce que ça rentre? Ouais. Bon, pour Thanos, alors j'ai mon idée. Voilà. Et ça sonne bien quand même, le Thanosaurus bolus, nouvelle espèce. Bah tiens, Mitt, si jamais tu veux prendre un screen ou lui envoyer, tu peux. Hein. Moi, je veux. Tu fous. Comme ça. Est-ce que vous êtes content de votre enclos? Ouais, ça c'est cool. Vous êtes ravi de votre enclos, ça fait chaud au cœur. Vous êtes deux attractions, hein. Par contre, qu'est-ce que vous coûtez en budget poisson, hein? Et le saviez-vous? Le spinosaure à la base était piscivore, comme vous pouvez le voir. Et suite au changement climatique dans sa région et tout ça, il a dû changer de régime. Il s'attaquait aux dinosaures herbivores. Et qui rentra en concurrence avec des prédateurs. Comme, alors comment il s'appelait, le fameux Carcharodontosaurus. Comme ça, il va réparer cette clôture.
Bon, Rex, est-ce que tu peux aller le chasser, ce Parazo? Comme ça, tu reprendras quelques points. Tiens, c'est direct qu'il va faire connaissance avec ses nouveaux voisins, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ah, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous trafiquez encore? Ah. Ouais, il y a la tempête, attention. Attention. Ah non, pas encore. Punaise, arrêtez de tout casser, mon travail. C'est pas cool. C'est pas cool. Ils ont tout cassé. C'est pas possible. Bon, là, il faut qu'on continue. Alors, quel est le plus proche? Donc là, on a 3, 3... Justement, Maitria Cantosaur, tu m'as dit. Ouh là là, c'est quoi ça? Ah non, ça va, j'ai eu peur. Alors, les Maitria Cantosaur, on peut les trouver où? On vous trouve en Angleterre, ok. Mayazor, on n'a pas encore fini. Et on va faire la mission qu'a demandé Alan, comme ça au moins on sera tranquille. Bon, ça, vous vous êtes calmé, il y a juste eu la tempête. Ah, Thanos, il y a vu un truc, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, Mitch, tu viens pas, je vais me baigner, là. Oh. Ah bah, elle était fraîche. Ah, Mitrandir, il ronfle. Je savais pas que tu ronflais, Mitt, hein, t'aurais pu nous prévenir. Thanos, il dit bon, on va le. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dormir ou alors allez, on se casse. Je suis en train de cuver. Par contre, Mitrandir, je dis ça, Thanos, il te respecte pas. CJ lui c'est pareil aussi, je crois qu'il dort. Ah merde, il m'a pas encore monté là. Voilà. Mitrandinosaurus, oui, c'est un nom long. Hein. Temple là, les Stégous ensemble ça collabore. Allez, Maitria Cantosaur, c'est un autre carnivore, mais pas du même gabarit que le Spino, le T-Rex. Hein, pour info, l'expédition est revenue avec d'incroyables outils qui nous permettront de mieux comprendre nos dinosaures. Enfin, les dinosaures. C'est la vision d'Amand qui nous a ramenés à la vie, mais elle n'appartient à personne. Alpha Mitrandir. Bon, on a réussi à le faire. Et dans ce monde où l'humain et dinosaures se côtoient, nous devons en savoir le plus possible. Par contre, je vais tenter un truc, je vais foutre une autre porte. Il faut savoir reconnaître un travail bien fait. Je vous félicite. Grâce à vous, ce n'est pas aujourd'hui que nous figurerons au menu. Non, il va falloir faire le tour, là. À moins que... Aïe.
Salut Amber. Ah, tu as dépensé ton compte. Exactement. Donc, tu arrives pour cette fin de... Enfin, cette fin de live où il reste 10 minutes. Mais on avait terminé la campagne principale à la précédente partie, donc à la précédente VOD. Mais je vais continuer un petit peu. J'ai des objectifs à faire que j'aimerais faire de mon côté personnel. Supprimer. Non, j'arrête pas assez. Dommage. On va éviter, on va reculer. Donc là, le parc, j'ai encore quelques objectifs à faire. Mon but, c'est d'avoir 18 espèces différentes au moins, ce qui est facilement atteignable. Je vais faire en sorte que toutes les espèces de base qui étaient sur lui, donc il y avait le Brachiosaur, le Gallimimus, le Stego qui est... Le Stego, non. Le Brachiosaur, Gallimimus, Parazo, Gallimimus, il y était. Il y avait 5 espèces en tout. Ils sont présentes sur les 18. Et j'ai aussi rajouté des Compsognathus et les terres donc, qui sont dans cette volière. Donc on va essayer d'en avoir, faire cet objectif là. Et j'aimerais essayer de choper un succès. Bon, j'ai jamais réussi à le choper. C'est essayer de prendre deux raptors qui sont en interaction. J'ai jamais réussi, j'ai jamais eu le bol, je sais pas. Si j'arrive à le faire, ce serait cool. Oh, 54 000. Et en plus, je vois des compsos qui sont tellement minuscules, mon Dieu. Merci, Eddie. D'ailleurs, mon cher Amber, est-ce que tu as déjà joué à Jurassic World Evolution ou jamais? Avec des photos comme celle-ci, vous pourriez travailler pour un magazine animalier. Alors, on a encore des recherches, c'est quoi? Équipe de fouilles. Une troisième équipe de fouilles, j'ai dit oui. Je tenais à vous remettre ce petit quelque chose, afin de vous remercier pour votre excellent travail. Et mon but aussi, c'est d'accomplir d'avoir tous les bonus de chaque division. Beau travail. Très beau travail, même. Félicitations. Alors, l'idée, là, ça va être de voir pour John Hammond. 1500 visiteurs. Bon, on va y arriver. Hein. Il va nous falloir encore des nouvelles espèces. Justement, on va développer quoi? On avait parlé d'herbivores ici. Hein. Bah, justement, ils sont tous trouvés. Il y en a un qui est chez le T-Rex. Je vais mettre le type forestier. Ah, tu as un message d'erreur spécifique ou pas du tout? Donc là, on va augmenter son espérance de vie. 123, c'est bien. J'ai vu un 150 passer au début. Parfait. S'il y a une espérance de vie à 200, ce serait génial pour eux. Parfait. Donc là, on est plutôt pas mal avec lui. Bon, il aura 28% de base, mais avec les 90% de la couveuse, il remonte à 118%. Bon, on est parti pour lâcher du Parazo en masse. On va en mettre 4. Après, je mettrai des Corythosaurs et des Mayasaurus ici. Et là, je pense qu'on a l'enclos pour les sauropodes. Enfin, l'enclos pour les brachios et tout ça, quoi. Ah, il va pas tarder à canner, lui. Wow. Je sais plus, Brachiosaur, je l'ai développé ou pas? Oui, j'ai un message d'erreur, je sais pas. Mais ça commence, ça a commencé du confinement. Moi, perso, j'ai pas eu de soucis. Que ce soit sur mon ancien PC ou sur le PC actuel. Donc, tu as tout fait, réinstallation, mode administrateur, paramètres de compatibilité. Parce que bon, c'est quand même dommage, quoi. Bon, je vais quand même vous montrer les succès Steam que j'ai déjà fait sur le jeu. Bon. Il y en a un que j'ai fait récemment, tout dernier, mais ça remonte. Alors, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Donc, bon. Le retour à Jurassic Park, j'avais déjà débloqué l'année dernière. Le 5 étoiles, donc là, on l'a encore. Garde, premier garde, je l'avais fait aussi. Et là, c'est le défi. C'est Volume Midiou, c'est créer
au moins créer une visite guidée comptant au moins 10 espèces campagne Jurassic Park ou mode défi. Donc ça on va le faire, même si je l'ai déjà débloqué. C'est celui-là que j'aimerais essayer de choper. Alors, attendez, j'essaie de vous le retrouver. Plus futé que les primates, photographier deux raptors en train d'interagir. Et ça c'est chaud. Pour le moment j'ai jamais réussi. Eh ben justement, ces deux objectifs liés, ça va doubler les trucs comme ça. Je n'exige rien de moins que la perfection. C'est pour cela que je veux vous confier ce. Ah, il y en a un autre de décédé, mince. C'est un des qui était déjà présent sur l'île. Bon, c'est pas mal. Ça va donc la visite du parc, mon cher Amber et Momon, il s'est mis à dire à votre droite un troupeau d'ilophosaures, suivi ensuite de deux enclos entre stégosaures et tricératops. Ici, nous avons un enclos avec trois espèces différentes. Oui, vous avez bien entendu, trois espèces, des compsognathus, des tout petits kiki dinosaures, des dryosauries, des petits herbivores, et aussi des grands sauropodes que sont les apatosaures. Donc, voici l'un des spécimens, le Lobutosaurus. Connu de nos services. Ensuite, on a des brachiosaures qui se baladent, un Gallimimus, un Tricé. Sur votre droite, au centre, pour qu'on continue la vie, je vous présente. En plus, je suis deck car j'avais fait un big park avec deux centres de découverte, le big bâtiment et sur Isla Nublar. Ouais, le bac à sable. Moi, faudrait que je refasse la campagne. J'avais fait une campagne à un moment, j'avais pas fini, je voudrais la refaire parce que je dois aussi faire l'émission du Docteur Who. J'ai pour faire finir, pour compléter les succès, quoi. Donc là, le CGREX est en forme, mesdames et messieurs. Écoute, il a toujours pas bouffé l'autre. Hop, hop, hop. On va éviter une guerre entre T-Rex et Spinosaure. Hein. Mais t'en dire, t'as repéré quelque chose, on dirait. Est-ce que c'est ce que je pense? On s'approche tranquillement de la fin du live et du live. Ah, il commence à pas être bien là. Et au pire, je vais le foucher les spinos, hein, parce que CG a pas envie de se bouger pour le trucider. Pour le clignoter, je vais juste hop transporter les parasos ici pour préparer. Je vais en préparer deux tout de suite, comme ça ils seront déjà quatre entre eux. Il va nous falloir quoi? De l'eau. Comment ça, contraint du terrain? Bon, ça sera déjà comme ça. Au niveau des environnements, on va mettre quoi? Des arbres. Tu avais déjà terminé la campagne principale en beurre ou pas du tout? La cible a bien été transportée. Voilà les deux premiers énergumènes. La forêt, ils sont ravis. Donc évidemment, au cas où Amber s'est intéressé, alors bon, il y aura les rediffs sur Twitch et au cas où je redécouperai les VOD, donc je mettrai sur ma chaîne YouTube.
Et je mettrai sur la playlist qu'il y a Jurassic Rendez-vous sur. C'était mon vieux Let's Play sur mon ancien PC. Comme ça, ça fera une suite logique. Donc là, j'ai mis tout ça. Ils ont. Ah, ils ont pas de bouffe. Ah bah bravo. Comme là, on va faire beaucoup tout ce qui est hadrosaure, donc Parasaurolophus, Mayasaura, Corythosaure, donc on aura plusieurs espèces entre elles. Ah, t'avais fait que les premières missions de la première île, quoi. Ouais, t'avais fait que le tout début, ok. Bon, vous savez quoi, on va attendre que les deux autres Parasaurolophus se pointent. Comme ça, on va les mettre, comme ça, ils ne poseront pas trop de soucis d'ailleurs. Quelle est la population totale avec eux? 4 à 21. Ok. Ça, j'essaierai de voir. Alors, liste des génomes des Corythosaures, là. Je crois qu'il y en avait un moment sur l'île précédente quand on y est allé. 2 à 13, ok, ouais, ça va. Donc là, il va faire un beau troupeau d'hadrosaures, ça va être cool. Et ensuite, à un moment, on essaiera de lâcher des raptors. Tiens, en parlant de fossiles, là, j'en suis où? Oh, ça fait un moment que j'ai pas touché. Oh, merde. Alors, Mayasaura et Metriacanthosaure. Comme ça, on prépare déjà demain la suite des opérations. Ok. Donc, on va lâcher ces derniers paraso. Oui, l'ancien, je m'en rappelle. C'est même avec ça que je me suis lancé. Ah, bah, c'est gentil, hein, bah, Amber, c'est gentil à toi. Ça fait plaisir d'entendre cette nouvelle. Je savais, je ne me souvenais plus si tu me l'avais dit, mais ça fait chaud au cœur, dans tous les cas. Donc là, bah tiens, allez, je suis sympa, je suis généreux. Voilà, t'es devenu un Parasaurolophus, félicitations. Là, ils sont combien? 4, 5, 5 et 5, 10. Il nous manquait un dilo, on va tout de suite le préparer. Donc voilà, donc. Ouais, c'est bien le parc là. Bon, on va le continuer, hein. On est encore loin de ce que je veux faire. Donc là, au moins les 18 espèces. Si on arrive à faire le plus d'enclos possible avant mardi, avant l'arrivée du DLC d'Age of Empires 2. On va se mettre bien, donc on est plutôt pas mal là, on est en très bonne position. On va s'arrêter là, donc je vais enregistrer. J'espère que ça vous a plu YouTube, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit live? On est plutôt sur de bon chemin là, on a bientôt fini bien sûr. Alors, j'ai essayé de prendre une photo des deux énergumènes là, Mitrandir et Thanos, mode photo. Attendez, je vais essayer de trouver une photo avec vos deux trucs. Bah, mode photo, comment on fait? Page, vous met à lever, à baisser, origine. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je n'ai jamais utilisé le mode photo. Bon, c'est dommage, j'essaie d'utiliser une prochaine fois. Donc là, j'ai deux énergumènes que tu connais peut-être, Amber, Mitrandir et Thanos. Donc voilà, hop, on va s'arrêter là.